Bienvenue, les gars. Vous m'avez l'air affamé. Allez-y, posez-moi une question. À la prochaine! Cette histoire de Dave qui est parti dans les bois... Il faut une autorisation, normalement? Ma foi, pas que je sache, mais bon. Mais c'est curieux, quand même, qu'il soit pas encore revenu. Vous croyez qu'on devrait aller le chercher? Qu'est-ce qui te prend ? Attention ! D'autres démons ! Ils sont déjà de sortie ! On dirait des monstres de série Z. Débarrassons-nous de ça. Yeah!
C'est bon. C'est une prière. Remarquable. Et joignons nos forces. Rien de personnel. Arrête ça pour moi. Quartier. Rien de personnel. Pardon. C'est bon. Merci. Magnifique. Wouhouhou ! On est vivant ! Et je sais ce qu'on va manger pour fêter ça ! Bon, vous êtes tous prêts ? Ouais, on y va ?
On a besoin d'exercice. Me sens mou avec ce temps ? Absolument. J'ai jamais vu une bête comme ça. Approche-toi, et ce sera la dernière. Au revoir, cette douée-là. Y'a la peste aujourd'hui. Je sais. Coupe-moi ça. Adieu. Je sens que ça va être vite réglé. Bien clair. Prends-t'en. J'attendais que ça.
gars, il y a un petit problème par ici. Mais non, tu peux t'en occuper. Tout seul? Mais t'es malade ou quoi? Rien, arrête-toi! C'est... T'aimes ça? Bien personnel. C'est vraiment trop fort. T'aimes pas les insectes, toi non plus? Moi? Grave. Ça me dégoûte. Moi aussi. Attention, côté droit. Compris. Enfin, qu'est-ce que vous faites ici? On a entendu parler de ta petite escapade. Qu'est-ce que vous voulez dire? T'as pas le droit d'être ici, si? C'est vrai. Les chasseurs du clan Meldacio n'ont pas le droit de pénétrer ici. Sauf si c'est une question de vie ou de mort. Il y a quelque temps, un de nos hommes est parti en mission de sauvetage dans la forêt. Et il n'est jamais revenu. Bah, à ce moment-là, si tu veux, on peut chercher pour toi. Merci. Ça me rend service. Il y a une cabane plus loin. Allez-y, on sait jamais. On pourra peut-être vous renseigner sur ce chasseur là-bas. En principe, on n'a pas l'autorisation d'entrer dans la forêt avec pour seul motif de chercher des plaques. Moi, je vais rentrer au clan Meldacio. Et surtout, ne prenez pas de risques inutiles. Bonjour, jeunes gens. Oh, que puis-je faire pour vous? Ça vous parle, une plaque d'identification? Vous voulez la plaque du chasseur disparu? Elle se trouve tout au fond de la forêt. C'est quelqu'un du clan de Meldacio qui vous envoie la chercher, c'est ça? On va dire ça, oui. Et pourquoi les chasseurs peuvent pas entrer ici? Ces maudits chasseurs de Meldacio, ils me détestent tellement. Ils m'ont traité de sorcière, ils m'ont chassé au fond de la forêt. Hein? Une sorcière. Moi qui ne suis qu'une honnête apothicaire. Comment ça, une sorcière? Hein? Le mot sorcière vous perturbe. Alors, passez me voir quand vous aurez trouvé ce que vous cherchez, et je vous raconterai pourquoi il pensait cela. Elle se dit apothicaire, mais dans sa cabane, je n'ai pas tellement vu de potions de soins. C'est vraiment une sorcière? C'est bizarre qu'elle se soit brouillée avec le clan Meldacio. Bon. Allons-y. Essaie de pas te perdre. Lâche-moi la grappe. Bon, voulez-vous défouler un peu? Si tu veux, moi je suis... Arrête ça pour moi! On y va? Ouais. Yeah! Yeah!
T'as plus à faire ça, Doc. On s'en sort pas si mal. Prêt pour la baston suivante. Dégouté. Note, t'assure. Évidemment. Qu'est-ce que vous diriez de camper ici?
Il ne nous reste plus qu'à livrer ça. Ouais. Ouais. En fait, un boucher. C'est pour moi. La folie l'a emporté. J'aime pas ce genre de bestiole. C'est presque des vacances. Comme sur des roulettes. Respirez-moi cet air frais. Wouhou, on sent revivre. T'y habitues pas trop? Pourquoi il faut toujours que t'en fasses des tonnes? Laissez-le s'amuser pendant qu'il est vivant. À pleuvoir. Super. Alors, vous l'avez trouvé. Maintenant, vous n'avez plus qu'à le rapporter à Dave. Tout simplement. J'ai un message pour lui. Il doit croire en lui. Obéir aveuglément n'est pas toujours la voie juste. Du moins, je le crois. Mais dites-moi, vous êtes qui, en fait? Je suis apothicaire. Mais en général, je vends des potions très particulières. Et à cause de cela, certains me traitent de sorcière, voyez-vous. Quel genre de potions? Des potions qui éloignent les démons. On s'en sert dans les sanctuaires. Elles renforcent les faveurs de l'oracle et leur effet protecteur.
Autrefois, le clan me réclamait beaucoup de potions de soins. Et c'est à cause de ça que nous nous sommes brouillés. Ils m'ont sommé de mener mes expériences et mes recherches seuls. Ils ont dit qu'ils ne m'aideraient pas et que je devais me débrouiller. Alors c'est pour ça que la forêt est interdite. Quels ingrats! Mais on ne peut pas dire que l'une a tort et l'autre a raison. Et puis, chacun doit prendre ses propres décisions dans la vie. Si Dave arrivait simplement à faire ça... il deviendrait un grand meneur pour les chasseurs, j'en suis sûre. En douceur. Je presse le pas. Fais du bien un peu de soleil. Tout à fait. Merci. On se reverra. Y a pas grand chose à voir. Fais pas le difficile. Au moins, on peut acheter des armes. C'est vous. Mais alors? Ouais. On a la plaque et un message de la sorcière. De Kimiya?
elle te dit de croire en toi. Et qu'obéir aveuglément n'est pas toujours juste. En gros. Ah. Je vois. Merci pour le message, pour le service. Et pardon du dérangement. Depuis que je suis rentré, j'ai pas mal cogité. En fait, j'aurais dû faire ce travail moi-même, je le sais. Je prenais cette interdiction idiote comme excuse quelque part. Et je m'étais presque convaincu que j'agissais bien. Je suis encore loin d'avoir la carrure nécessaire pour devenir le leader du clan. Mais grâce à vous, je commence à comprendre quelle image je renvoie aux autres chasseurs. Merci. Tout ça est une bonne leçon pour moi. Maintenant, je vais rapporter cette plaque à la famille de son propriétaire.